Choka la nou live e nou gen avèk nou nan studio de Atis. Ah, et de Atis, et de Atis. Gen you justement et qui sont en upcoming artist, son artiste qui commence à faire parler de lui et sérieusement dans marché musical là. Et gen you son vétéran dans secteur. Et Pascal and Koki in the house. What's up, monsieur? Ça a fait bonne nouvelle, non? En forme, Karel, comment y est? Où là, man? C'est Pascal. Où là? En forme, Karel, merci d'être invité dans le show matin. Et spécialement, du félicitations pour tout le travail qu'on a fait dans l'industrie. Merci. Et c'est le genre de monde qu'on a besoin qui pour supporter ça qu'a fait dans le pays. Culture, non. Exactement. Donc, on va passer un bel moment. Thank you, man. Thank you. Je suis content de gagner. Ou pour moi, parce que vous êtes habitué. Bon, pas qu'à nous, habitué. Parce que c'est première interview qu'on a fait depuis qu'on l'a lancé en solo. True. Et vous passez là dans P-Boys. P-Boys, yeah. Et bah, écrit là, qui année? 2013. 2015. Yes, passé là en 2015 et pour P-Boys et puis qu'on y a retourné pour Teto. On essaye de rentrer justement pour les gens qui ne connaissent pas. Comment on présente Teto? Qui est-ce qui Pascal? Qui sont dit le monde de qui est-ce? Ok, nous parlons de Pascal, je suis Pascal Smith. Je suis 22 ans, je fais pour Prince, même le vieux Kai. Et je commence à chanter depuis à l'âge de 8 ans. Première expérience, moi, sur scène, c'était dans le concours au Kainan Well qui était fait en 2011. 11 ou non 2007 comme ça dès que 11 ans et depuis là on fait fondé Goopy Boys là avec deux trois camarades de classe et nous fait quelques ils font belles carnaval en 2014 que parmi quoi 10 carnaval très meilleur et puis nous t'ai fait plusieurs autres carnaval après ça là baby ensuite en 2016 vraiment c'est là ça que me décidé prendre voix solo et me fait premier single moi qui était je me souviens ensuite venir mon deuxième single qui était confortable me fait avec mon ami moi qui est Mude. Et depuis 2017, c'est lui qui joue l'album Bakia. Exactement. C'est un autre producteur et c'est confrère moi au Kai. Ensuite en 2017, moi entré avec Bax Entertainment Group qui c'est nouveau entité cap management avant dans Popular Nation, label Bakia, même une switch. Et depuis commencement année, nous t'ai qu'étant lagué deux produits côté me faire deux adaptations. Une de Impossible, Domino, et l'autre de Malade Kai. Et là, c'est le premier single officiellement comme musique originale. Bien avoué. Au plus, son chanteur slash producteur, et ça veut dire que c'est produit musical. Yeah. Exactement. Moi, produit before music, pratiquement toute musique, moi, c'est mon produit, except Bien avoué, qui c'est un autre confrère moi qui produit, qui est le Bibo, Gilles Biboutin. Et. Ironie, c'est que Jules B, c'est lui qui apprend à faire beatmaking, producer. Oh, yeah. So, j'aime que je travaille avec son projet et le que me relève, on le relève, me dit, yo, Bibo, ça a fait un APC. Je vais essayer de me faire tout le monde. Un APC, c'est un nouveau son pour Pascal et qui soit comme Abel. Et puis, il voit ça bon, moi. Et puis, il me dit, yo, ça vraiment bon. Et puis, le lendemain, je suis dans le studio, je fais mes têtes dans le studio, je m'écris musique, je m'écoute musique, je finis long jour. Mais qui j'ai bien aboué. Un jeune P-Boy, ils ont vu ta deal. Oh yeah! Throw back! Ok, bon. Pour mon aussi. Pour mon qui a compris justement, et c'est le premier carnaval là. Exactement. Voilà, et Pascal, t'es dans P-Boys et t'es découvert, monsieur, parce que t'es voué musique là sur Plaisir Carnaval en 2014. Et c'était une carnaval préféré. C'est peut-être pas un moment pour nous donner carnaval qu'on a, même parce que l'y est important. Non, ça lui est duel qui là. Il pense que l'y est important pour nous faire et nos forts. 2014. Comment est-ce que tu es dans le groupe? Tu es 8 moun. 8 moun, Mais allez, pour ton rappeur, ou bien tu es pour toujours chanter? Toujours chanter, c'est le seul moi qui t'ai chanté dans le groupe. Formé, nous gagnons cerveau passé à zap. Mon chef qui a terre, nous décrasons. Nous pommons et puis blasons. À chaque parole, nous blasons. Oui, nous fiers, nous c'est haïssé, ça fâché à nous passer. Détermination dans notre tête, bon côté qu'elle vient arriver. Mes divisions dans le peuple, son baguette, bonne phrase avec. Nous faisons mes pieds sous coude, mais à force pas nous repousser. Nous levons, nous comptons, que tout peuple a été flébisé. Nous b-boys, à force pas nous bataille pour tout dessiner. Nous faisons des sacs propres, qu'elle y met tout la dessiner. Changer pays,
soti et même les bagues wood ay ou ba wi Ok, assez. Yeah. So, kone jazz la? Kone goup sa? Bon, littéralement, après que nous t'es fini études classiques, nous, chaque nek font chaque nek te fait gen qui parti, gen qui a pour prince, gen qui est tout le kay. So, chaque monde t'en tient dispatch. Donc, chaque monde t'en tient vin prendre route par eux. Ce qui vient rendre que le groupe n'a pas vraiment stable, gardi, et bon. Et puis bon, je ne sais pas si c'était le bon moment pour moi pour me suivre carrière solo. Donc il vient de rendre que le groupe là pas existé encore malheureusement. Tout à fait. Nous prenons le là et prenons nous pour nous pour regarder vidéo clip et tout découvrir et musique qui est le Binaboy. Yeah.
All right. Pascal, c'était Binaboye et vidéo que vous regardez là, superbe vidéo. Et où gagne on drapeau Congo et congolais. Voilà. Et rapport pour qui ça parle avec nous. OK, moi fait pour Prince, mm-hmm. son haïtien natal, mais maman fait au Congo. OK. Donc, maman son congolaise et malheureusement moi perdu maman l'année dernière. Mm-hmm. Donc moi t'ai voulu rendre hommage dans la musique ça et en même temps et faire un honneur à racine moi me dit et essayer de faire un mélange entre deux cultures ça qui fait partie de Pascal qui c'est Haïti et puis Congo et puis bon développer essayer un nouveau son, une nouvelle couleur. Bon, son correct, nous trouvons que la musique est correcte, très afro-caribéen, si ouais. capable de dire comme ça, en vidéo à tout très tropical et comme ça c'est où on marche, quoi viser, c'est comme ça vous voulez présenter tout ou bien. Nous voulons bien sûr, on a fait musique pour la communauté nous en Haïti, mais nous avons bien aimé exporter la musique là vers d'autres marchés. Par exemple, les Antilles, la France, et bien sûr, depuis la France, surtout passer par l'Afrique. Donc, c'est un plus gros rêve, mais c'est pour moi faire musique arriver en Afrique, bien sûr, et peut-être même arriver à performer le bois. Et Jean-Michel qui veut saluer là, qui dit le valider. Jean-Michel, c'est le gros boss qu'on parle festival. Allô Jean-Michel, il y a de la. Vous donnez ça à Jean-Michel Zioni. Je sais pas. Quand il y a. Parole, c'est de vous-même, musique là, c'est de Bibo. Exactement, oui. Et puis enregistré dans Bax. So, qui ça Bax après régler ce semaine là? Parce qu'apparemment, moi, nous avons Coralie et nous avons Pascal. Parlez d'un petit cas de Bax. Okay. Bon, je salue tout auditeur avant. Et puis, Bax, c'est une cité que j'ai décidé de mettre sous pied pour accompagner l'artiste. Ça veut dire que. Et I wish que moi-même là me devais commencer comme des gars on support le système comme ça on comprend et parce que quête on pas quête misère non pas c'est pas de monter même mal chercher instrument monter descendre changer à l'époque là me devais soit par research casser pile non chercher instrument avec nous donc et moi c'est que l'était le temps pour que gon directif que nous baisse certains artistes parce que nous gain talent c'est pas talent bagain on comprend. Donc et moi-même personnellement moi fais ça à travers le monde déjà je dis développement artistique là et que c'est aux États-Unis en Europe ou récemment en Asie et donc it was time for Haiti il était temps il était là pour devenir fond bagaille pour Haïti parce que je pense que nous avons des bagaille qui exportable et puis nous décidé créer Bac ça fait un an qu'on y a et je suis tombé sous Pascal parce que bon d'ailleurs faut me dire que c'est plus beau je devine présenter ah ouais c'est plus beau je devine ouais c'est plus beau je devine présenter by Bax et puis bon I single them out because moi que tout bagage était allé vers monsieur et puis Coralie je porte Coralie pour moi tout il y a de l'autre artiste qui vient pour venir sous parmi tant d'autres moi j'ai 17 ans moi il y a 17 ans qui vient jeune à l'âge de 15 ans donc Mika l'autre bois, c'est base Mika tout. Non, ça est colonne Mika même. Ça est à la caille Mika, c'est la caille impossible tout, c'est impossible, premier carnaval impossible, c'est premier produit qui sorti Bax tout. Et tout le monde caille, c'est là que quand c'est fait. Et nous gagnons Bouchel, c'est aussi un monde de caille là, Jakout, c'est là, Jakout fait tout album. Et Boulette. Oui. Tout bagage ça moi c'est l'année dernière moi c'est toi qui hit l'année dernière en fait sorti Bax. Et donc avec ça nous créons un système côté que nous bail production ça veut dire il y a studio il y a salle d'enregistrement de répétition tout et parce que grand pile monde qui pense c'est en il dans studio record et puis après ça au courir al on stage but gon préparation pour stage tout OK donc et dans salle répétition dans ça fait mettre demi wa pour que artiste capable ouais tête qui gens yo performe pour qui ça que qui bon la caillou qui gagne good looking parce que gagne le sourire sur bord gauche là oui c'est pas c'est pas les bonbons là exactement so, faut toujours apprendre connaît bagage ça nous ba yo et on support légal ça veut dire nous gagne avocat in house pour pour oui bien sûr tout bagage ça a fait tout là tout bagage ça nous support ça bien sûr m'a pas nous gagne et nous gagne et des vocal coach que nous gagnons parce que faut que faire et vocal technique parce que son bail qui toujours bon problème ici là c'est que
Usher qui Usher jusqu'à Koulia qui a un vocal coach qui a travaillé avec. C'est nous avons toujours un vocal coach qui a travaillé. Because you have to know. Et décision. En plus, le monde par exemple, qu'on a des artistes qui cancel de tourner à cause justement de voix. C'est parce que justement, il y a un monde qui a supervisé performance vocale qui dit ou pas capable de continuer. Faire ça. Exactement. Mm-hmm. Et pas forcément obligé docteur, là, comme si quand je la fin crasé net et puis voilà le docteur et puis il dit quand le vocal la cacasse, il continue. C'est ça, exactement. Donc, il a trouvé que c'était important pour gagner et ça. Parmi tant d'autres, ça veut dire que mon boule stage, ça veut dire si je voulais faire une tournée nationale de artisme, que en quel moment je ne parlais pas de artisme. Je m'a mettre dans la rue, je m'a vendre quand même. Parce que je m'a quoi dans le produit, je m'a quoi dans le résultat. Et je pense que c'est ça bien à faire pour lui là, c'est que le timing est important tout. Et parce que je me suis dit depuis 2017, comme si je me suis dit, build un momentum. C'est ça, c'est comme si mon paquet de singles que je passais, mon single Amika, qui était sous les autres, que nous rentrions single avec Baki, que tout ça est enregistré. Et puis, le gars dit marché, il me dit, qu'est-ce que tu as dans ce côté de besoin? Et puis, Binabou est prenu, c'est le gars qui me dit, Bibo, yo, besoin de bagaille qui représente Pasca, besoin son Pasca. Donc et c'est ça qui fait que ou ka senti vibe caribéen comparé là dedans parce que dans refrain nous monsieur met un petit solo et qui bot là dedans que me pense qui très appealing que même dans afro ou pas jeune ça veut dire pour pas dire que c'est afro copier, copier. Exactement exactement donc et donc c'est tout système ça nous accompagne artiste ça marketing etc. Donc c'est ça que nous faisons. That's really good. So, mon monde pas besoin peu pour ou bien chita là parce que entre deux bonnes même parce tout à fait. Vidéo a sorti et CJ, super vidéo, tourné en Haïti. Tourné en Haïti, yes sir. C'est une belle expérience et il était vraiment superbe. Monsieur Banou, tout conseil, monsieur guidé nous dans toute salle d'affaires et il nous travaille là très rapide. Donc c'était vraiment une belle expérience. Femme dit que c'est grâce à Mati tout que ça permet de arriver côté lié là. Parce que c'est pas moi qui t'ai gagné contact CJ, c'est Mati que moi relé, moi dit Mati yo. I need a rebranding carrément parce que je me dis c'est même non parce que t'es changé parce que c'est PASCA avant. Nous changer la KA. Ça veut dire gon paquet de bagages parce que je veux rebrand everything et coupe cheveux monsieur, habillement monsieur, Mati parti avec ma mina shopping pour monsieur. Et son paquet de bagaille qui on le processus si j'étais en Martinique son nous fait si j'ai rentré et amen Guadeloupe en Martinique et donc nous fait monsieur rentrer et puis faut me dire que nous t'ai un paquet challenge sur vidéo t'es un mauvais temps époque ça t'ai un paquet là puis bagaille c'est cela et on devait montrer soleil plage on devait montrer soleil exactement c'est son île Grand Guave que nous shoot et puis m'a besoin de misère bagaille ça et puis pour moi que nous capable réaliser ça quand même malgré tout challenge ça donc big shout out to CJ big shout out to Mati sur projet ça intéressant mais pendant on parler de ça ou même tout Pascal pendant la build momentum pour là où tu présentes une sorte de son avec et cover côté est-ce que mon y a joindre Pascal ça son nous on va quitter et vibe l'autre producteur et rentrer dans travail quoi ouais m'ta vraiment aimé travailler avec plusieurs autres producteurs et mais je pense que in the middle on ka slide on l'autre petit cover toujours parce que mon aimé son comme si concept cover original là et je pense que on ka fait vraiment plaisir m'a plagué l'autre cover encore bon qu'on killer mais parce que me les bail projet original là temps pour oui, penser pour faire Woodley ensuite je pense que dans fin année Francis Gouda supposé jouer un deuxième single là. Et c'est sur un travail. Nous pour un projet album et on a vraiment focus sur single avec deliver performance pour nous commencer à faire mon ouais parce qu'à ce stade. Justement, qu'on y a performance. Et qui le mon y a pour live. Ok, normalement, on commence à faire un booking, mais grande première Pascal, c'est le 15 juin, football. 15 juin. Exactement. So, on a bien Koalira, Kapla, qui sont notre artiste Bax. Et on a bien Guest Artist, on a bien Medji Nico de Impossible. Et on a bien DJ Boulette, on a bien Franco de Saint. C'est un bagage qui a fait son invitation, mais le monde qui n'a pas invitation qui t'a vraiment aimé venir, admission à 650 gold à la porte. Ensuite, dans début après-midi, on a bien un cocktail de presse, côté que on a bien invité la presse, Média, et pour nous parler de Pascal, de projet Pascal. Et puis plus tard dans la soirée, c'est Showa. Et on a vraiment un bon jeu. On a joué en band avec un band. On a joué avec un danseur, moi, on a dansé. C'est vraiment
yon lot image de Pascal que moun nou pa wè, son Pascal m'a dit 2.0 et donc nous vraiment excité pour journée ça et n'a invité tout le monde 15 juin football grand premier Pascal. Konya, ou son musicien ou bien ou juste utilise keyboard pour faire beat. Moi pas musicien, moi exactement. C'est important. C'est ça ben. Gade bou ki moi jeune, gade bou ki moi jeune monsieur dit. Moun yo pense monsieur son DJ qui joue keyboard. Non, monsieur pas parti à la nazi là. Monsieur beaucoup jeune. Non, pas travaille sous ça. Pas un instrumentiste. J'ai dit là moi c'est un producteur mais qui use instrument qui permet moi pis à l'aise dans la production. Donc moi j'ai keyboard, moi j'ai guitare, mais moi pas vraiment un instrumentiste comme si je joue normalement. Ça veut dire l'homme qui prend le voir sur scène, c'est vous-même qui campez devant le micro ou qui chante. On a fait deux trois petits surprises, mais normalement c'est plus chant et puis danse. On a vraiment aspect danse là, surtout 15 juin. Et je pense que à l'avenir, prochaine performance, moi inclus danse là tout en pile chorégraphie. Tout à fait. Voilà, grand pile compliment pour vous là. Et Pascal semble chargé fanatique. Merci. Ah ouais, et il y a plusieurs monde qui a fait commentaire. Donc, on a parlé de qui le monde y a pour au CAI. Est-ce que vous pensez justement à Villepao? Samedi, ça me va au CAI pour Vantinatio Baki. Et ma plame, quoi, y a Drew, y a Trouble Boy, y a Mutu, Niska. Donc, Niska tout. Donc, m'a invité tout le monde au CAI, au Red Branché. Parce que samedi, la map débarqué sur nous et. On faut dire que nous avons fait 2-3 performances au CAI déjà. Exactement, ouais. Et nous avons retourné encore avec Mika parce que Mika a retourné pas que le fait que nous n'avons pas accompagné monsieur. En une fois, colonne. Voilà. Deux questions pour vous. Deux personnes qui posent la même question. Qui ça Bina Boué a voulu dire? Je dis, ok. Bina Boué, c'est Lingala, qui c'est le dialecte que vous parlez au Congo. Bina Boué, je dis danser comme ça. Son nom musique, je dis LM Bina Boué, ça dit LM danser comme ça. Donc c'est ça qui vient faire tout le contexte musique là. Tout à fait. L'autre question pour vous là, et comment gérer l'école avec la musique là? Ok, c'est une très belle question. Toujours une question ça depuis l'année de Napi Boys. C'est bon, bah, qui est toujours facile parce que c'est deux. Direction opposée m'gardi mais grâce à peut-être m'gardi discipline que m'bat tête moi support famille entourage moi tout donc m'essayer faire la part des choses quand t'as fait balance entre l'école là et musique là actuellement m'a étudié moi dans gestion des entreprises moi sous deuxième année là donc jusqu'à présent ça va et m'fait gagner l'heure comme si m'obligé faire schedule moi en fonction de l'école moi on s'est rencontré la première année on s'est tombé avec des vraiment difficile parce que j'ai l'école comme si m'bat tout le temps présent dans le studio mais au fur et à mesure que je viens plus à l'aise avec le système universitaire parce que c'est des faits commencer et je viens font façon pour nous manage et emploi du temps et jusqu'à présent avec le temps c'est la plus facile. Tout à fait. Musique est disponible sur toutes les plateformes, vous êtes capable de checker les vidéos disponibles sur YouTube, vous pouvez checker comment vous pouvez contacter Pascal pour un gig, pour une interview, pour une performance, comment vous pouvez faire ça? Vous contactez Pascal, nous avons le numéro 48 81 54 08, 48 81 54 08, et pour qu'il écrit nos emails sur Bax Keke Belize vous big up là. Oh Keke Belize vous big up quoi qui bout de guide voilà fait bam et puis il y a un email là qui c'est Bax BAXXENT @gmail pour booking Pascal et puis vous pouvez follow Pascal sur différents réseaux sociaux sur Instagram nous pouvez follow moi Pascal Official 69 PASKAOLUZFICIAL 69 et Facebook Twitter Pascal PASKA. Voilà, il y a des gens qui vivent en état qui demandent et voilà, ouais, moi mais ça, moi vous dites honnête, il y a des gens qui vivent en état justement qui demandent qui rapporte au gars avec Congo et puis il y a Milise Lavo qui tout et répond rapidement. Pendant que je vais chercher une réponse, c'est intéressant. Les gens qui disent chef, je demande de changer, a changé pour nous non? Mon cher, belle chez ça. Il y a changé. Mais souvent, vous voulez changer avant, pas un bien ce problème. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un beau succès, man. Merci et la musique là intéressant. Je crois que le feedback est définitivement positif pour vous-même. Il y a un feedback positif. Il y a un feedback qui est important.
et puisque en pile artiste justement jeune tant que par exemple jeune peut-être support système que quoi qui sont parler à qui dans Bax. Donc il est important que justement jeune monde qui gère image ou qui gère qui fait coordination interview pour qui pousse musique ou et bien loin me connaît que justement qui avec toute équipe Bax ça capable faire qu'on y a ou même c'est ou même qui pour mettre et talent en place tête ou droite discipline pour même arriver quand on veut arriver. Exactement. Son compliment et puis m'attend pour mon live. Ah merci un peu. Donc 15 juin football après. That's it. Thank you. All right, pas de problème. Voilà, c'était Pasca qui était avec nous, qui t'a parlé nous de nouveau musique lien qui les binabouyé à stream les Spotify, iTunes ou bien acheter ou bien regarder vidéo pour que justement vous permettre que artiste là et continuer faire succès mais surtout partager le sourire parce que je pense que son musique qui carrément très représentatif par rapport à sa jeune talent a fait dans pays à semaine ça. Elle me fait perdre mes repères.